Salut YouTube amis, j'espère que vous allez bien. La quatrième semaine de confinement, je vous ai préparé un menu de fête, un menu de dimanche autour de la pomme Pink Lady. Donc la Pink Lady est une pomme que vous trouverez toute l'année dans vos commerces. Alors pour commencer, une tarte tatin aux pommes et magret de canard fumé. Ensuite un filet de cabillaud et son jus d'herbe avec une compotée de poireaux et de pommes avec une sauce hollandaise. Et pour finir, la Pink Lady en rose à l'alsacienne. Tout ça pour un budget de 35€ maximum pour 4 personnes. Alors, 1, 2, 3, cuisinons tous ensemble! Le panier de course pour cette recette est composé de 10 pommes Pink Lady. Il nous faudra un dos de cabillaud de 800 g environ. Confinement oblige, je suis obligé d'utiliser un filet de loup blanc et un filet de lieu noir. Nous avons 15 ml de fumée de poisson. Nous avons un vin blanc, 2 citrons et 3 citrons verts. Nous avons de l'ail, de l'oignon. Nous allons utiliser 2 poireaux. Il nous faudra 1 litre de crème fraîche, 140 g de beurre, 50 g de pignon de pin, 40 tranches de magret de canard fumé, il nous faudra 2 pâtes feuilletées, 5 œufs, 60 g de sucre, 30 ml de farine, de la crème de vinaigre balsamique, du persil frais équeuté, de la coriandre fraîche équeutée, nous avons du laurier, de la cannelle, de la noix de muscade, du thym, du sel, du poivre du moulin et une huile d'olive bio. Les principaux ustensiles utilisés: les cuillères à mesure, la feuille à rebord silicone, les grandes cuillères à mesure, l'éplucheur vertical, le pichet microcook 1 litre, nos spatules silicone avec la grande cuillère plate, le turbotube, le micro-urban family, le moule à moelleux, le tout nouveau Speedy Chef 2 et le Speedy Chef 1. Je vais commencer par vider avec le vide-pomme Tupperware les 3 premières pommes. Puis je vais les peler directement sur le collecteur. L'éplucheur vertical est un indispensable de vos tiroirs. Il permet d'éplucher rapidement et en toute sécurité, quelle que soit la forme des aliments. Son manche est ergonomique pour les droitiers comme pour les gauchers et un petit ergo pour retirer les yeux des pommes de terre. Je prends ensuite ma pâte feuilletée et je la déroule. Pensez à la sortir quelques minutes auparavant du réfrigérateur afin qu'elle se déroule sans problème. Je fleure ensuite légèrement ma pâte feuilletée. Puis je prends un bol et je prélève des cercles. Une fois avoir découpé nos cercles, on va piquer notre pâte pour éviter qu'elle gonfle de trop.
Et ensuite, je dépose mes ronds de pâte, mes cercles, sur ma feuille à rebord que j'aurai préalablement humidifié légèrement. Quant au reste de la pâte, je la réserve puisque je vais l'utiliser pour notre dessert de tout à l'heure. Je vais ensuite couper mes pommes en deux, puis je vais couper des quartiers d'environ 5 à 6 mm d'épaisseur. Une fois les pommes coupées, nous allons faire chauffer une poêle avec du beurre et nous allons faire revenir ces pommes. Nous allons faire préchauffer le four à 180 degrés. Une fois le beurre mousseux et presque noisette, j'y incorpore délicatement mes rondelles de pommes. Et je laisse saisir mes pommes. Un peu d'histoire pour la pomme Pink Lady. Il s'agit en fait d'une sélection des meilleures pommes de la variété Crisp Pink, vendue sous la marque déposée Pink Lady. Elle est originaire d'Australie et de Nouvelle-Zélande et est apparue au catalogue français des variétés depuis 1995. La pomme Pink Lady est une pomme à croquer, assez ferme à la dent, et notamment connue pour son goût très sucré avec une coloration rouge typique. Faites revenir les pommes délicatement et attention en remuant afin de ne pas casser les tranches. Dans une seconde poêle sans matière grasse, je vais faire dorer mes pignons de pin. Il faut laisser blondir les pignons de pin, attention à ne pas les laisser brûler. Voilà, la coloration est suffisante. Après vous êtes bien lavé les mains, on va commencer par disposer les pommes en alternance avec le magret de canard. Je vais maintenant enfourner mes tartes tatin au magret de canard fumé pendant 20 minutes à 180 degrés. Hello les Tupamis, je vous retrouve dans très peu de temps dans l'atelier de Kevin et nous parlerons de fruits et légumes. A tout de suite. Nous allons à présent réaliser le jus d'herbe. Pour cela, nous avons besoin du turboteur. J'insère donc le persil ainsi que la coriandre. Une fois les herbes hachées, je retire mon couteau. Je prends donc une condisserve et je mets donc mon persil et coriandre hachés dans ma bouteille et je couvre d'huile d'olive bio. Je mets mon couvercle et je remue afin d'obtenir l'échange de saveur. Je laisse mariner de côté. Je vais maintenant peler deux pommes, les deux pommes suivantes. Pourquoi je ne les ai pas fait en même temps que les pommes pour notre magret de canard? Tout simplement pour éviter qu'elles ne s'oxydent.
Je vais ensuite fendre mon poireau en deux. Puis, je vais l'émincer. Une fois le poireau émincé, je continue avec les pommes. Pendant ce temps, je fais également chauffer dans une casserole 15 g de beurre. Le beurre est maintenant mousseux. Je vais y ajouter mes pommes et mon poireau. Je vais laisser compoter tout doucement à feu doux. Ensuite, dans la base de notre Micro Urban Family, je vais verser 300 ml d'eau, puis 100 ml de vin blanc, voilà, et 15 ml de fumée de poisson. Je mélange. Avec mon fouet. Je pose ensuite la partie inférieure de ma passoire et je découpe un citron jaune et deux citrons verts que j'ai préalablement lavé. J'utilise pour cela le couteau à tomate parce que pour moi je trouve qu'il est vraiment adapté pour trancher les agrumes. Ah, et je crois que la cuisson de nos tartes tatin arrive bientôt à son terme et on va contrôler la cuisson de nos tartelettes. Voilà, je vais ensuite chemiser l'intérieur de notre passoire avec le citron et je vais alterner entre le citron jaune et le citron vert. Nous allons ensuite hacher l'ail et l'oignon que nous avons préalablement épluché au TurboMax. Je vous rappelle que le TurboMax est le grand frère du TurboTop. Alors si jamais au démarrage vous trouvez un petit peu de résistance, il suffit de secouer les ingrédients et de hacher normalement. À l'aide d'une spatule, je dispose les oignons sur les citrons, donc environ la moitié de la quantité. Voilà, je réserve le reste. Je vais maintenant assaisonner mes filets de poisson. Moulin à poivre. Je vais ajouter un petit peu de thym. Voilà, je dispose mon filet de poisson dans mon Micro Urban Family. Si vous n'avez pas le Micro Urban Family, ça fonctionne très bien avec le Microbar. Et je vais ajouter
une petite feuille de laurier. Je rajoute mes dernières rondelles de citron. Et je termine avec le reste d'oignon et d'ail. C'est parti pour 23 minutes de cuisson à 750 watts. Il est maintenant temps d'ajouter 1 demi-litre de crème fraîche. Je sale et je poivre. Et je râpe également un petit peu de noix de muscade. Et je laisse mijoter pendant encore 20 bonnes minutes. Après 23 minutes de cuisson et 5 minutes de repos, nous découvrons donc la cuisson de notre poisson. Donc nos oignons ont pris une petite couleur bleutée, ce qui est normal, c'est dû à l'acidité du citron. Et notre poisson est bien cuit. Donc je referme le couvercle et je dépose le réservoir sur une assiette et je vais récupérer le jus de cuisson. Donc je vais avoir besoin de 300 ml pour confectionner la sauce hollandaise. Pour commencer la sauce hollandaise, je vais clarifier mes œufs. Donc je vais utiliser le 7 en 1. Je n'ai pas besoin de mes blancs d'œufs aujourd'hui, je vais donc les placer au congélateur dans une boîte igloo, sans oublier de noter la contenance, donc 3 blancs d'œufs et la date du jour. Ensuite, je prends mon pichet micro-cook, mon fond de cuisson de mon poisson de tout à l'heure, donc 300 ml. J'y ajoute ma farine fluide. Sel. Du poivre. Je mélange. Et j'y ajoute mon mélange jaune d'œuf et citron. Je couvre le pichet micro-cook en position fermée et c'est parti pour 3 minutes de cuisson à 650 watts. Une fois le pichet micro-cook sorti du micro-ondes, je mélange immédiatement ma sauce hollandaise. Puis, j'y incorpore petit à petit le beurre. Voilà, notre sauce hollandaise est maintenant montée au beurre. Nous allons passer au dressage de notre assiette. Mais avant cela, il faut vérifier l'assaisonnement. Pour cela, on va tout simplement goûter. Alors, comme pour mes tartes tatin, je reprends mon conserve-bol et je vais faire des petits cercles qui iront dans mon moule à moelleux. Donc après avoir humidifié légèrement notre moule à moelleux, je prends mes pâtes
et je les mets délicatement dans mon moule. Voilà. On va essayer de former des petits paniers. Une fois avoir pelé mes pommes, coupées en deux, je vais couper de fins tronçons qui formeront les pétales de notre rose de pomme. Et je remplis ensuite mon panier avec mes pommes de cette manière afin de former une rose. Je prends ensuite mon Speedy Chef 2. Je vais y casser mes œufs. Je vais y mettre mes 60 g de sucre. Je vais y ajouter 5 ml de cannelle, de l'extrait de vanille également, 5 ml. Et 40 centilitres de crème fraîche. Et je vais fouetter tout ça avec le Speedy Chef 2. En vitesse 1, ça fonctionnera très bien. Et voilà, il suffit de quelques tours et notre préparation est fin prête. Le côté pratique de notre Speedy Chef 2 est que notre bol verseur va nous aider à remplir nos cavités. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Bienvenue dans l'atelier de Kevin. Vous vous demandez comment conserver des fruits et des légumes plus longtemps. Rien de plus simple, avec la gamme Ventilofrais. Vous avez un couvercle hermétique de conservation qui s'ouvre très facilement grâce à la languette. Vous avez des bords incurvés qui permettent une stabilité du produit quand ils sont empilés. Vous avez également la languette qui permet de faire circuler l'air de façon optimale avec trois positions. La position ouverte, la position fermée et semi-ouverte. Vous avez également la base qui est transparente, ce qui permet d'identifier facilement les produits qui sont à l'intérieur. Vous avez le mode d'emploi qui est gravé sur la boîte, qui vous permet à tout moment de savoir ce que vous pouvez mettre comme aliment à l'intérieur et quelle position utiliser pour le plâter. Vous avez également des rainures en escalier qui permet d'isoler les aliments de l'humidité et de permettre une meilleure circulation de l'air à l'intérieur de la boîte Ventilofrais. Ces boîtes sont parfaitement empilables. Alors, je vous montre. Pour un rangement facile dans le placard. Ce mois-ci, vous avez la boîte Ventilofrais 3,2 litres verticale qui est en promotion. Cette boîte peut accueillir des aliments plus hauts, plus grands, comme des asperges. Et elle est ce mois-ci à 24,90 € au lieu de 28,90 €. Nous allons faire un petit jeu.
nous allons disposer 3 fruits et légumes dans leur boîte correspondante. Nous avons des kiwis, des agrumes et, comme c'est de saison, des asperges. Alors, quelle est la boîte de rangement adaptée? Comme je viens de vous le dire, pour les légumes hauts, ce sera la boîte verticale. Toujours faire attention à la position. Donc pour les asperges, ce sera en position ouverte. Pour les agrumes, je choisis la boîte ventilée au frais 4x4. Également, je fais attention à la position. Et ici, ce sera en position semi-ouverte. Et pour les kiwis, quelle boîte choisir? Les kiwis, tout comme les aubergines, tomates et bananes, pêches, abricots, avocats et prunes, sont à conserver en dehors du réfrigérateur. Nous avons donc la possibilité de le conserver, attention, dans le coffre à oignons. Si vous souhaitez commander, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou à cliquer sur le lien juste au-dessus et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau produit. À bientôt! Alors, je vais tout d'abord placer un petit point de vinaigre balsamique pour y coller ma feuille de salade. Je dispose quelques petits points de crème de balsamique en guise de décoration. Et pour finir, je dispose au centre ma tarte tatin aux pommes Pink Lady avec du magret de canard fumé. Bon appétit! Je vais maintenant passer au dressage de l'assiette. J'attrape un filet de poisson. Dans un empilot déco rectangle, je vais le remplir avec ma compotée de poireaux et de pommes. Je le pose sur l'assiette après l'avoir bien pressé. Je verse ma sauce hollandaise dans un petit contenant. La sauce est bien onctueuse. Et je termine avec le petit jus d'herbe. Et je nappe notre poisson avec ce jus d'herbe. Et il est maintenant temps de déguster. Encore quelques minutes et la cuisson sera terminée. Alors la cuisson est maintenant terminée. Donc j'ai gardé quelques tiges de persil que nous avons utilisées hier. Ça va devenir donc notre base de notre rose Pink Lady. Je vais démouler délicatement notre rose que je vais disposer comme ceci. Et si vous avez un petit peu de menthe, vous pouvez utiliser des feuilles de menthe pour essayer de copier les feuilles du rosier. Il me reste à vous souhaiter un bon appétit.